What's good, YouTube? It's your boy Happy Got Bands back with another reaction, back with this French crime. Yes, sirski. Abonne, hit the like button because likes be helping. Likes do be helping. Yes, sirski. Hit the like button. Get this like 100 likes and 50 likes. We got this. This is finna go crazy. Maybe I'm gonna do it in two parts, three parts. I don't know. Let's see. But y'all been enjoying these lately. So I'm gonna keep doing it. Ils ont charcuté mon frère. If you don't got it, you crazy. Ces enfuis ont charcuté mon frère. You is crazy. Je vais vraiment me transformer en machine à tuer. C'est pas des conneries, man. Celui qui ose me regarder de travers, qui me doit du fric, le premier gars jaloux qui fait sa langue avec moi, je lui plombe sa race. Sur la vie de ma mère, je te jure. De rue épisode 33, la sombre histoire de Mohamed Seguir, le cauchemar des tirs berbou. Let's go. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue, nous allons parler d'une figure du narco-banditisme marseillais, un homme réputé impitoyable qui a fait couler énormément de sang dans la cité phocéenne. Je veux bien évidemment parler du Marignanais, Mohamed Seguir. L'histoire de Mohamed est une histoire marquée par des niveaux incroyables de violence, l'histoire d'un homme qui a dédié une grande partie de sa vie à seulement un seul objectif, anéantir tout le clan des tirs berbou. Durant cet épisode, nous allons donc tenter de retracer son parcours, et de comprendre comment, et pourquoi Mohamed en est arrivé à devenir un des fondateurs du clan le plus puissant et dangereux de France, le clan de Marignane, et nous allons profiter de son histoire afin de rétablir la vérité concernant la guerre de fond vert, une vérité qu'aucun média ne connaît. En effet, 80% de l'histoire racontée dans les médias concernant la guerre entre les tirs, Berbou, et Rimadnia est fausse. That's why I don't follow the news. I keep telling my mama, turn that news off. They not talking the real on the news. They just lightly coding it, and then they be changing some fact. Oh, I should have said that. Why I say that? Oh, I should have said that. But the news not all that. The news is not. Cet épisode, je vais donc tenter d'être le plus proche possible de la réalité des faits. La légende de Mohamed. Am I canceled? Seguir et la guerre de fond vert. Voici leurs histoires. Look, they be canceling folks for less. So I'll be trying to watch what I say. You can't be saying all that. And I be smoking too, so you just be talking like you with your homies. I be forgetting. You can't say everything. But I be catching myself. Wait, Mom, myself. Before you check out. Damn. I be catching myself. Bro be getting them ads. Yes, Sirski. Do not skip my ads, y'all. Mohamed Seguir est né vers la fin des années 70. Il est originaire de la ville de Marignane, une ville localisée dans la banlieue nord de Marseille, et il avait un petit frère nommé Karim, alias Biftek. Il y a très peu d'informations sur la jeunesse de Mohamed, tout ce que l'on sait c'est qu'il est originaire d'un pavillon de Marignane localisé aux alentours du quartier du Parc Saint-Georges, alias PSG, et il était réputé pour être un braqueur. Mohamed et son équipe, composée des frères Martinez et d'autres personnes, traînaient souvent vers le quartier du Parc Camoin, ou dans un bar nommé Le Globe, qui est un bar appartenant à Eddy Boussaïd, un trafiquant de drogue notoire de Marignane. Karim était quant à lui un jeune discret de Marignane, ce n'était pas réellement un voyou comme son frère, c'était quelqu'un de plutôt calme et gentil. Yeah, there's always the one that I like different. There's always the one that kind of different. I be telling y'all, this is like, if y'all was watching that Chicago stuff, I didn't really watch it a lot, but I remember it.
It was a channel called Chicago Scenes. Bro just giving me that vibes. Somebody in the comments was telling me, yo, do this channel. It will be just like that Chicago Scene. Yeah, I'm getting the vibes. It's like the music. I try to not do these at night. It's at night, but it's not lately. I remember I used to do these at like 12 a.m., 2 a.m., 3 a.m. I was getting scared. Now it's 8. It's 8 p.m. But when I be doing these at like 2 a.m., 3 a.m., I'll be scared. Première fois que les frères Seguir vont grandement faire parler d'eux sera en 2010. Et cela va se passer. For real, he be telling a story. He be putting like a weird sound effect. I'll be like, what? I'll be getting scared on these. I'll be getting scared. En effet, Mohamed passait souvent du temps dans le quartier de Fontvert, situé dans les quartiers nord de Marseille, un quartier où Mohamed y avait quelques connaissances. Il jouait souvent aux cartes dans ce quartier. Algérienne, né de Paris, la cité de la ravitaillement depuis l'Espagne via des gofas, séquestration, et devant en 2002. Fontvert contrôlait l'aliment depuis. Le business des deux familles était alors très florissant, chacune contrôlait son territoire sans problème. De plus, certains membres de la famille Tyr sont mariés avec des membres de la famille Remadnia, certains d'entre eux sont également cousins, tout le monde s'entendait bien. Fontvert était alors l'une des plus grosses plaques tournantes de stupéfiants dans la cité phocéenne, avec environ 900 clients par jour, et un des membres des Tyr les plus actifs dans le trafic à cette époque était le très jeune Farid Tyr, 19 ans, qui est le grand frère d'Eddie Tyr. Attention, il ne faut pas le confondre avec le grand Farid Tyr, qui lui est le grand frère de Karim et Hichem Tyr. Le petit Farid Tyr, malgré son jeune âge, était un trafiquant de haut niveau. Il avait récupéré le contrôle de Fontvert en 2010, et il organisait des go-fast entre la France et l'Espagne tous les mois. Il avait un réseau de vente en gros, grâce à cela il gagnait beaucoup d'argent. Il était donc souvent habillé avec des vêtements de luxe, et roulait en belle voiture. Farid travaillait avec un jeune appelé qui était en fait le gérant de Farid et il fréquentait une fille nommée Melissa, une fille de Marignan. Un jour, what you want that young man to do? Invest? Come on. Et il fréquentait une fille nommée Melissa, une fille de Marignan. Un jour, il est venu chercher de la drogue au domicile de Farid et il était venu avec cette fameuse Melissa. Peu de temps après cela, un commando déboula chez le jeune Farid Tyr et sa femme, car oui, il avait une femme, qui par ailleurs était enceinte. Le commando réclame alors une grosse somme d'argent à Farid, cependant, il ne trouve chez lui qu'une somme dérisoire. Le commando s'énerve alors et tabasse Farid et sa femme, et repartent donc avec un maigre butin. La séquestration de Farid et sa femme a été tellement violente que cette dernière a malheureusement perdu sa... What? Cependant, il ne trouve chez lui qu'une somme dérisoire. Le commando s'énerve alors et tabasse Farid et sa femme et repartent donc avec un maigre butin. La séquestration. What that mean? He leaves with a meager booty? Tration de. I know it's not translating right. It's not translating right. What do you mean? Farid et sa femme a été tellement violente que cette dernière a malheureusement perdu son bébé. Après. Yo, y'all gotta explain what happened. Y'all gotta explain what happened. Il ne trouve chez lui qu'une somme dérisoire. Le commando s'énerve alors et tabasse Farid et sa femme, et repartent donc avec un maigre butin. La séquestration de Farid et sa femme a été tellement violente que cette dernière a malheureusement perdu son. Oh, I'm catching it. So, they was fighting. So, I think they was doing something. And then it was so crazy. Ah, oh, damn. Bébé. Après ce tragique événement, Farid, fou de rage, va discrètement mener son enquête afin de retrouver les auteurs du braquage. Il s'est alors tourné vers Melissa, la fille de Marignan, car il s'est rappelé qu'elle était déjà venue chez lui avec son gérant. Farid va alors suivre cette Melissa pour connaître ses fréquentations, et c'est là qu'il a découvert qu'elle fréquentait Karim Seguir, de Marignan.
Farid et son équipe vont alors attraper Mélissa, et vont la forcer à dire à qui elle a balancé son adresse. La fille va alors tout avouer. Effectivement, Mélissa a dit que Karim Seguir et ses amis la voyaient souvent se faire accompagner à Marignane, et souvent à bord de belles voitures, et elle se vantait souvent de fréquenter des trafiquants de drogue riches. À force de trop parler, elle leur a donc finalement donné l'adresse de la maison de Farid. Il faut savoir... Come on, come on, come on, why? Why you do that? Come on. Voir que, à cette époque, le vol de trafiquants était un business très fréquent et très rentable à Marseille. Par exemple, les frères Bangleur étaient de gros voleurs de trafiquants, tout comme Yes des Olivieria, qui était lui aussi un voleur de trafiquants. Il n'était donc pas rare de voir des jeunes se lancer dans le vol de trafiquants, et c'est exactement ce qu'a tenté de faire Karim. En apprenant que c'était Karim et son équipe qui étaient les responsables du braquage et de la perte de son bébé, Farid va vouloir se venger, et il aura alors l'aide de Ilyas Remadnia, alias Jojo. Jojo était un jeune trafiquant de drogue de fond vert, tout comme Farid, et il a été touché par l'histoire de Farid. Il le voyait lui et sa femme pas bien. Il lui a donc dit que si un jour Farid trouvait le responsable, il allait l'aider à lui faire payer. Donc, quand Farid a trouvé que c'était Karim le responsable, il a demandé de l'aide à Jojo, et Jojo connaissait en plus déjà Karim, il lui a déjà parlé. En effet, Jojo avait déjà demandé à Karim s'il vendait une de ses motos, un TDM 900. Jojo va alors recontacter Karim, et va lui proposer d'acheter son fameux TDM 900, ce que Karim va accepter. Les deux conviennent alors d'un rendez-vous en plein cœur de la cité de Fontvert. Le piège commence donc à se renfermer sur Karim, il ne le sait pas encore, mais cette vente n'est ni plus ni moins qu'un guet-apens. Le 3 août 2010, Mohamed Seguir se trouve dans la cité de Fontvert en train de jouer aux cartes comme à son habitude, quand son frère Karim arrive dans la cité afin de vendre sa moto à Jojo. Il se rend donc au lieu de rendez-vous devant le bloc C de la cité, quand tout à coup, une moto arrive à sa hauteur, et un homme assis à l'arrière ouvre le feu à l'arme automatique sur Karim. Voyant son frère se faire tirer dessus, Mohamed décide de le rejoindre mais il est lui aussi touché par plusieurs balles. Stay inside. Stay inside. Stay inside. Stay inside. Karim, atteint à plusieurs reprises, va décéder, tandis que Mohamed et une autre personne présente seront sérieusement blessés. I got it. I got it. What do you say? Présentes seront sérieusement blessés. Oh damn. Les deux personnes présentes sur la moto ne seraient autres que qui était le pilote, et Farid, qui lui était le tireur. Farid a donc pu obtenir sa vengeance, il a réussi à éliminer celui qui avait causé la mort de son bébé. C'est donc ce meurtre qui est l'élément déclencheur d'une guerre sans précédent dans l'histoire du banditisme marseillais. En effet, Mohamed, qui a vu son frère se faire assassiner sous ses yeux, était inconsolable. Sur son lit d'hôpital, il aurait alors fait vœu de vengeance sur les tirs, peu importe ce qu'il en coûte. On peut dire qu'à partir de là... Damn. Damn. My neck's starting to cramp up. Damn, all this reading. Mohamed damn. Est devenu un démon assoiffé de sang. Hit the like button. Hit the like button. This is getting crazy now. This is getting à crazy que, now. À la base, ce n'était qu'un simple braqueur, pas un tueur. Après ce meurtre, le chef des tirs, le vieux Saïd, sentant que la situation allait dégénérer, se serait lui-même rendu à Marignane afin d'apaiser les tensions et d'empêcher toute réplique des Marignanais contre les tirs. Saïd aurait même dit à un des membres de sa famille que, après sa mort, ils allaient tous y passer un par un. Il a tout simplement prédit l'avenir, c'est ce que les médias appelaient « la prophétie de Saïd ». Un
Un an après la mort de Karim, Saïd va subir le même sort. Il sera abattu de plusieurs balles de calibre 12, en plein jour, alors qu'il était en train de conduire dans les quartiers nord. C'est le premier tir à tomber sous les balles. Cependant, la mort de Saïd n'a rien à voir avec les Marignanais. Il a été tué par des anciens associés à lui, des vieux comme lui, qui l'ont tué car il aurait voulu léguer la succession de son business à son beau-frère, Hakim Grabsi, alias Néné. À peine 2 mois après la mort de Saïd, les tueurs de ce dernier ont dit à Néné, son beau-frère, que c'était les Marignanais qui étaient responsables de sa mort, et qu'ils étaient prêts à se les faire. Ils ont ensuite dit à Néné de venir à tel endroit pour tuer les Marignanais avec eux. Cependant, cela était un guet-apens. Néné va alors lui aussi se faire tuer de plusieurs balles dans la tête sur le boulevard national, par les mêmes personnes ayant tué Saïd, ses ex-associés. That's crazy. Après la mort de... That's crazy. I'm gonna leave it right here though. I'm gonna leave it right here. If y'all want part 2, part 3, part 2, part 3, let me know down below in the comments. But this is crazy. Stay inside. I hope y'all stay inside. I hope. But if y'all enjoyed this, abonne. Get this like 100 likes or 50 likes and I'm out.